et bienvenue sur l'Argus.fr dans une usine de moteurs chez Ford à Cologne pour une découverte de la nouvelle génération de Ford Focus RS. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons les deux premières générations. Donc la bleue, qui est la première génération lancée en 2002, disposait d'un 4 cylindres turbo de 215 chevaux. Et à côté, en vert, vous pouvez voir la version de 2009 qui délivrait 305 chevaux via un 5 cylindres turbo d'origine Volvo. Ces deux générations étaient des tractions qui disposaient d'un autobloquant mécanique pour pouvoir faire passer toute la puissance au sol. Et voici la toute dernière évolution de la Ford Focus RS, le millésime 2015. Cette nouvelle version inaugure un nouveau bloc 4 cylindres 2,3 litres turbo qui devrait développer plus de 320 chevaux. Et elle se caractérise surtout par sa transmission intégrale permanente, avec la possibilité de renvoyer jusqu'à 70% du couple sur l'essieu arrière. Alors évidemment, le châssis a été développé spécifiquement pour ce modèle, avec des suspensions plus fermes, des barres anti-roulis spécifiques, des essieux entièrement revus. Et regardez les jantes de 19 pouces, avec des étriers Brembo. Alors c'est du 4 pistons, mais avec des plaquettes spécifiques. Regardez le bouclier avant entièrement revu avec les prises d'air latérales. On peut voir également l'imposante calandre avec l'intercooler pour refroidir la pression de suralimentation. Alors l'échappement a également été très travaillé pour offrir un son assez puissant avec des crépitements à la décélération. L'aileron arrière est assez imposant et en deux parties, ce qui rappelle un petit peu l'esprit de l'escorte Cosworth RS. À l'intérieur, on retrouve des sièges baquets Recaro et les trois traditionnels manomètres de pression d'huile, température d'huile et pression du turbo. Et pour mettre en avant le potentiel sportif de sa nouvelle Focus RS, Ford a fait appel à Ken Block, le spécialiste du drift, du moins des shows de drift sur internet. Allez, à bientôt sur l'Argus.fr.